That's what I said. Casa, le 29 octobre 1957. Chère grand-maman, chère tante Simone, Irène, François et cher JB. Voilà donc le Grand Prix de Casablanca terminé. On s'en réjouit toujours à l'avance et puis ça passe terriblement vite. Voici des détails. Commençons par le début. Je suis donc allée aux essais avec Michel le jeudi 24 de midi à 15h. Nous étions dans un stand entre chez Ferrari et chez One Wall. Tout à coup, j'aperçois le blond Mike Hawthorn qui sort du stand pour aller dans sa Ferrari. Il part, fait quelques tours d'essai et s'arrête au stand. Et tout à coup, il me reconnaît, s'approche et tout content de me revoir, commence à discuter. Il s'est excusé de ne pas avoir pu venir à Paris cet été. Colin est là aussi avec sa femme, toujours aussi sympa. Et les essais continuent. Moss est là avec Cathy, sa femme. Il y a aussi les jeunes espoirs, Tony Brooks et Lewis Ewan, qui sont d'ailleurs très sympas et simples. Sont là encore Fangio, évidemment, Harry Shell, Bera, Scarlatti, tous ces derniers sur Maserati. Plus deux Cooper pilotés par Brabham et Salvadori. Et Flocart et Trintignant sur BRM. Ambiance du tonnerre que vous connaissez. À la fin de ces essais, Mike me demande de le raccompagner à l'hôtel, car il n'a pas de voiture. En route, donc, tous les trois dans la 203. Michel et moi devant et le grand Mike derrière. Nous le laissons à l'hôtel et revenons le chercher une heure après. Il avait son costume vert, comme au Nürburgring, et son nœud papillon. Je le repilote encore dans Casa et il aboutit chez Jaguar, où quand il dit qui il est, on remue toute la maison pour lui. Enfin, on lui prête pour son séjour une magnifique Jaguar bleu pâle. Ensuite, je le ramène à l'hôtel, car il a une réception à 6 heures. Je le quitte donc là. J'ai oublié de vous dire qu'il avait déjà un début de grippe. On se quitte donc et il me dit « Au revoir, à demain aux courses, ça va ?» avec son savoureux accent anglais. Sans oublier de me remercier de l'avoir piloté dans Casa. Enfin, il est vraiment très gentleman. Le lendemain, vendredi, essai de 3h à 6h. Moss est déjà couché avec la grippe et Fangio est fiévreux. Les One Wall accomplissent des temps terribles, les meilleurs. Ensuite, ce sont les Maserati, les Ferrari. Un nouveau prototype ne sont pas encore tout à fait au point. Mike et Peter ne sont pas très optimistes. Le soir après les essais, à 7h, apéritif chez Martini.